Salut tout le monde, c'est Sandard et bienvenue sur une nouvelle session Retro Achievement. Voici Dino Wars Destruction of Spondylus, sorti en 1989. Un jeu de Bandai sorti sur NES que je ne connais pas du tout. Il y a en tout 38 achievements et on s'en fout. On ne se spoil pas, je ne connais pas ce jeu, c'est parti. Dino Wars. Ça commence déjà. Bon bah d'accord, je suis un robot. On dirait... ça me fait penser à Chelnov. Ce sprite. Et ça commence comme ça. D'accord, pas d'explication, rien. Des pics, des plateformes. Ok. Et ouais, c'est parti. Bon, il y a un temps de latence quand tu sautes. Bon, allez, on s'en fout. C'est quoi ce jeu, là? J'ai jamais entendu parler de ça. Un jeu qui n'est sorti qu'aux États-Unis. Il y avait des mines. La musique qui ribote à chaque écran. Ah, on va s'amuser, je le sens. Ou Atomic Runner. Ah, il y a un énergie tank là. Mais les sauts sont pitoyables! Dinosaure! Ça se trouve, ça vient d'un dessin animé, j'en sais rien. Jamais entendu parler de ça. Ok, maintenant je suis un dinosaure. Je peux sauter et donner des coups de poing. Oh putain, mais non! Allez, c'est parti. J'ai le punch. Si j'appuie sur Start, il se passe absolument rien. Et Select. Et Select, j'ai utilisé une Smart Bomb apparemment. On tape le dinosaure! Mais c'est quoi ça? C'est un triangle? Mais c'est pourri! On sait pas tuer les ennemis! Ah si, d'accord. Faut insister un peu. J'ai les fireballs. Sauts pourris. Fireball 2. Allez, on va terminer ce jeu. Il a l'air facile. C'est un jeu facile, moi je vous le dis. C'est quoi ce petit dino pourri de feu là? Un jour je vais réussir à passer au-dessus des pics. Le fulgur au point. C'est un vieux plagiat de Goldorak. Oui. Ah, le fulgure au point, par contre. Ça défonce. Oui, voilà. Fist 2. Hop. Une mine. On dirait que tu couvres un œuf quand tu t'accomplis. Qu'est-ce que c'est que ce dino, là? Je comprends pourquoi les dinosaures ont disparu. Alors, la bombe... Ok. Waouh. 8, 5, 4, 7. Ok, je recommence là. Bon, faut pas tomber dans les trous. Hein. Est-ce qu'il y a des chauves-souris dans ce jeu? Ça m'étonnerait. Par contre, faut attendre que ça revienne. Voilà. Punch dans ta gueule. Ça sert à rien de se baisser. Oh oui. Bon, par contre, pourquoi il n'y a pas d'achievement là? Voilà. Je suis passé au-dessus du trou, j'ai réussi. Le portail de sécurité. C'est la douane!
Ok, je m'arrange. Mais attends, mais je te bourre. Je te bourre. Faut passer au-dessus? Mais non, tu passes pas au-dessus. Bon, heureusement, j'ai une barre de vie de l'infini. La clé! Pinceratosaurus. Voilà. Pas d'histoire, rien. Je sors de mon vaisseau dinosaure. On joue doucement. Putain de merde! Allez! Bon, il faut que j'arrête d'être vulgaire comme ça. Les jeux m'énervent en ce moment. Les jeux sont pas gentils. Non, non, mais t'es sérieux? Pourquoi le même mot de passe? D'accord, c'est le même mot de passe. Très bizarre. Hein. Tiens, les achievements fonctionnent maintenant. Comment tu veux que je tue ça là? Je finirai ce jeu ce soir. Il y a des continues limitées. C'est un peu le bordel. Allez, hop, je prends ça. Attention, Midir Dinosaurus Rex. Voilà. Ah putain, ça c'est... Oh, oui. Oh, un boss. Une sorte de boss. T'es obligé de te faire toucher. Oh la difficulté! Oh la difficulté! Tu ne mourras jamais! Et voilà. Je rentre là-dedans. Je fais quoi maintenant? Je fais quoi maintenant? Je dois aller là dans le trou? Je retourne par... Ah d'accord, faut retourner à son vaisseau. Bonne nuit Tom Bokova. Je dois finir ce jeu ce soir, je prends note. D'accord, il faut détruire le boss et retourner à son vaisseau. Donc vaut mieux se débarrasser de tous les ennemis. Les sauts sont horribles. Merde. Ce jeu est codé avec le cul. Allez, hop, on avance. On s'en fout de lui. Ok. Et comme tout à l'heure. Si tu finis pas, tu seras obligé de finir Docteur Chaos à la place. J'ai encore choisi un bon jeu. Energy. Bah, d'accord. Mais quoi? Il y avait un mur invisible. Je vous jure, il y avait un mur invisible. C'est pas des conneries.
Oh non, mais... Destruction Spondylus, là, je sais pas quoi. Spondylus. Le dino est plus maniable, ouais. J'adore ce genre de jeu. Allez. Salut Flocky Fred. Mais attends, mais c'est comme c'est impossible ça. Salut Ray. Ah non, ah, j'ai oublié de changer le titre du stream. C'est pas Sonic 3, non. Non, non, Sonic 3, j'ai rage quitte. Oh là là. Celui-là, ça va pas tarder. Les ralentissements. Voilà, quand tu bouges pas, t'es pas projeté en arrière. Mais les sauts, quoi. Mais voilà, Twitch ne veut pas changer le nom du jeu. Bon, je suis désolé, hein, mais ce jeu-là, je m'attendais pas à une maniabilité aussi pourrie. Enfin, je m'attendais à rien du tout, en fait. Allez, courage! Je finis ce jeu jeudi. Et merde. Pas déçu, non, je suis juste très étonné. Un jeu que je n'avais jamais vu sur NES, c'est rare. Bon, allez, retour au vaisseau maintenant. Ah, mais les ennemis disparaissent. Ok. Fuck. Et si on joue à Dark Souls, tout compte fait. Un jeu facile. Ah, là c'est bon. Ok. Là on est bon. Mais saute! Ce n'est que le premier niveau. Hein. Pas maintenant. Maintenant. Non, pas maintenant. Putain, ce pattern. Je passe à travers la plateforme. Faut vraiment se mettre au milieu de la plateforme, sinon tu passes pas, quoi. Faut soumettre ce jeu à Vitendo.
Ou au joueur du grenier, tiens. Il va adorer. Stage 1. Il est marqué là-haut. Attends, mais c'est quand même dégueulasse. Regardez ça où ils l'ont mis, quoi. T'es obligé de te faire toucher. Et là aussi. Comment tu veux esquiver tout ça, quoi? Ou alors aller là-haut? Merde. Je vais passer par au-dessus, parce que là, il y en a marre. Faut trouver un autre chemin. Allez, je passe par là. Ah, attends. C'est le non-skill total aujourd'hui. Hein. Mais à quoi ça sert alors les plateformes? À rien. J'aime pas voir Sandart s'énerver. Ah voilà. Je m'énerve pas, mais je me détends pas non plus. C'est encore pire que Transformers. Le canon là, je vais me faire toucher. C'est bon. Ce qui m'énerve, c'est que comment tu veux esquiver toutes ces balles? Si tu dois faire le jeu sans te faire toucher, tu fais comment? C'est impossible. Bon, je passe par au-dessus maintenant. Allez. En plus, il a 100% de réussite sur Retro Achievement. Mais bon, il n'y a qu'une seule personne qui y a joué. Et c'est la personne qui a créé les Achievements. A mon avis, c'est la personne qui a créé ce jeu. Qui l'a foutu sur Retro Achievement. Là, il y a un mec qui... Le mec se suicide. Hein. Il n'a pas envie de combattre. Mais c'est quoi barrière là? Je tire sur une omelette. Ok. Là c'est bon. Enfin. Doucement. J'ai failli me viander. Oh. Premier achievement, stage 1 complété. Voilà. De tous les jeux sur les dinosaures que tu pouvais faire, tu as choisi le pire. Je crois aussi. Sinon, j'aurais pu faire Jurassic Park sur Mega Drive. Alors, je fais quoi maintenant? Là. 5431. Deuxième planète, j'imagine. C'est quoi là-dessus? Il y a un truc qui me suit, là. Les dinosaures de l'espace! Je suis censé faire quoi, là?
Ah mais oui, mais il y a le sol. C'est parce que j'ai pas l'écran complet. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bon d'accord. Il y a un sol. Un sol qui s'effondre en plus. En plus, Jurassic Park sur Mega Drive, je l'avais terminé à l'époque. Avec les deux persos. Oh! Non, mais le dinosaure est beaucoup plus jouable. Oh la putain! Est-ce qu'il me touche là? Oui, mais il me touche carrément! Fireball! Salut Monsieur Tripod. Bon, parfois les ennemis me touchent pas, je sais pas pourquoi. Et le truc qui me suit, je sais pas ce que c'est non plus. Il y a aucune différence entre les items là. Comment tu peux deviner? Tu ne sais pas sauter. Enfin si, tu sais sauter mais pas dans le bon sens. C'est con. La bombe c'est vraiment pourri quoi. Allez, allez, on se casse de ce niveau. C'est bon. C'est pas fini. J'avance. Rien à foutre. Voilà. Là aussi, on prend son temps. C'est bombe 2? Non, c'est fist. Comment tu fais pour éviter les monstres? Reviens! J'en avais pas fini avec toi. Ouh, toi t'es énervé, toi. Triceratops. J'y connais rien en dinosaure. Allez, hop, 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 voilà. Il y a des palmiers dans la grotte. Ça, c'est bon. Oh, le laser. Le beam. Salut. C'est pas une chauve-souris, mais presque. Bon, d'accord, j'ai compris. Oh là là, ça rame. Allez, viens. Putain, c'est de la merde. En plus, cette arme fait n'importe quoi. C'est Ridley. Putain, mais attends, il faut sauter et taper comme ça, quoi. C'est super chaud. Ah, comme ça, ça marche aussi. Ok, d'accord. On dirait pas, mais je le touche, là. J'ai trouvé la stratégie. Le ptérodactyle. Une ptérophsouris. Toujours la même musique. Allez, c'est reparti. Très original, hein, le level design. Bon, attention, lui, là-haut. En fait, ça va être les mêmes niveaux en plus difficile à chaque fois. Est-ce que je peux détruire ça? Non. Ouais, mais t'es obligé de marcher dessus!
c'est pas juste. Ok, ça passe. Allez, first try. Hein. Pas de bêtises. Ah bah déjà le boss. Putain. Ça, ça va me one shot en dessous. Et de retour à la maison. Le pire, c'est ça. Voilà. Quand t'as passé ça, c'est bon. Ah ben, first try. Stage 2 complete. Stage 2 expert. Parce que je l'ai fait sans mourir. Je sais pas. Enfin, voilà. Ça fait. 9-8-9-2. Le premier niveau, c'était le plus chaud. Là, je commence à m'y faire. Aïe. Je vous l'ai dit, je vais terminer ce jeu. Ah, le pterodactyle, c'est le pire. Oh! Ok, ils ont pensé à tout. Et j'ai les Rocket Fist. Par contre, j'arrive pas à faire la différence entre les items. Là, par exemple, c'est toujours le Fist. Il y a une légère différence. Ouais. Ça, je sais toujours pas ce que c'est qui me suit. J'aurais dû garder mon fist. Allez! Le jeu est devenu facile tout d'un coup. Alors là, par contre, avance. Barrière, c'est pas le bouclier. Ah oui, c'était la smart bomb quand t'appuies sur select. Genre là, je devrais l'utiliser. Et là, je l'ai plus forcément. Ok, d'accord. C'est une attaque aérienne. Là, je peux pas le faire, l'attaque aérienne. Le gardien. Bon, lui, par contre... doucement. Ah ben non, c'est pas un boss. On continue. Voilà, il faut passer le portail de sécurité. Oh merde, j'aurais dû me débarrasser de ça. Allez, on joue bien. On évite les boules. Oh, facile. Le Ceratosaur. Par contre, pas super original le jeu. Ah oh bah, tiens, qu'est-ce que je disais? Bien joué!
Je ne l'attendais pas du tout. Le jeu du troll. Bon, allez, je passe. Allez, je passe. Là, par contre, ça a l'air un peu plus compliqué. Tout va bien. Non, il y a une mine. Il n'y a pas de trou, mais il y a une mine. Ok. Ah, par contre, là, c'est un peu plus long. Et là, je le sens pas. Ok, ok, ok. Allez, c'est reparti pour un tour. Allez. Dégage de là, toi. On sait même pas c'est quoi, c'est... On sait pas ce que c'est. Encore des portes savon. Hop. Presque parfait. C'est la chiasse! Putain, ce gameplay. Rendez-moi le dinosaure. Ça se vendait combien de francs à Sur NES? Je sais pas. Le même prix qu'un jeu PS4. Spondylus. Salut Ninsolo, salut El Crollo. Salut direct. Alors je peux pas sauvegarder vu que je suis en Retro Achievement. Sauvegarde impossible. Même si je voulais, je peux pas. C'est désactivé. Je dois terminer le jeu à la régulière. Ok, là c'est bon. Je ferais bien une safe state ici, mais je peux pas. Oh, joli! Parfait. Parfait. Toi, tu dégages. Toi aussi. Ah, mais attends, je peux l'avoir de là? Ou pas? Est-ce que je le touche, là? Oh, putain, je le touche! Bah, ok, bah voilà. Pff, Firewall. Comment ça, Firewall? Parce que je l'ai eu de loin, c'est ça? Bon, le retour maintenant. Ouais, c'est désactivé en hardcore. Ouh. Ouh, c'est bon ça. Même les mines ont disparu. Merde! Mais t'es pas. Bon, ça va aller mieux. Heureusement qu'on a énormément d'énergie. Hein. On a trop d'énergie même. Ah oui, là c'est le sol. Hein. Je sais pas du tout combien il y a de stages. Ça se trouve, il y a une centaine de stages.
On est parti pour toute la nuit, j'en sais rien du tout et je me prends la mine, c'est parfait. Ce jeu c'est Dino Wars Destruction of Spondylus. Sorti en 1989 sur NES uniquement aux États-Unis. Développé par Bandai. Qui ont voulu faire une espèce de truc Power Rangers. Bon, toi tu dégages, voilà. Un peck. Bon. Les plateformes, c'est la merde. Je sais, je le répète à chaque fois, je vous le rappelle. J'en ai marre de ce jeu. Mais j'ai dit que je le terminais. J'espère qu'il n'y a pas une dizaine de stages. Je suis déjà au stage 3. Moi, ce qui me fait peur, c'est le système de mot de passe. Ça se trouve, c'est le premier. On est au troisième niveau du premier monde. Et là. Dégage-toi! Il y a moins de 10 niveaux. Ok, il y a 9 niveaux. Et là, c'est pas... là, ça passe! Pourquoi je peux pas le faire en arrière? Trop de pression. Le boss gratuit. On a 7. Okay. Je suis sûr que la fin sera décevante. Moi aussi. À la fin, il sera marqué « Bravo, vous avez gagné ». En blanc sur fond noir. Putain, alors là, j'ai eu de la chance parce que... j'ai eu un gros message, la TV s'éteindra, et c'était complètement à l'aveugle. Hein. Voilà, merci. Mais... complètement à l'aveugle, j'ai pas vu du tout ce que je faisais. Oh là 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 là. Putain, c'est pourtant simple ça. Ok. C'est bon, c'est terminé? C'est pas terminé. Oh non. Oh non, là. Ok. Stage 3. La TV me veut du mal. Bon, désolé, mais décapsulage. J'en peux plus. Ou Garden Agrumes. 6315 le mot de passe. C'est parti pour le stage numéro 4. Dans la forêt. Toi, tu vas tomber. Ah, mais non! Mais non, il y a une plateforme. Bon, si lui, il est pas tombé, je tombe pas. Voilà. C'est de bonne guerre. En fait, le stage le plus difficile pour l'instant, c'est le premier. Le premier, je suis resté facile 15 minutes. Fireballs, too. Voilà, est-ce que c'est Fireball, ça? Je crois pas, hein. Donc je prends pas. Puisqu'il faut avoir l'achievement Fireballs Ultime, Force 3. Ah ben voilà. Great Ball of Fire. Des grosses boules de feu.
Alors là, le clignotement. Je vais garder ça jusqu'au bout. Et voilà. Dégage-toi. J'aime les couleurs de cette... Toi, tu vas tomber. Quoi? Est-ce que ça disparaît? Parce que ça, c'est le bim. Hein. Et je veux pas le bim. Je chie sur le bim. Ah non, c'est les bombes, c'est encore pire. Oh non, mais les bombes, c'est de la merde. Ah, parce que tu craches des boules en plus? Sur les dinosaures. Ça c'est le fun, hein. Ce combat. Non, je veux les super bombes. Oh, cette arme est pitoyable. Bon bah le bim alors du coup. Salut Schlibibiche. Ah ça c'est le bim. Non, c'est le fist. Le fist, je l'ai déjà eu. J'ai déjà eu le triple fist. Et dégage. Dégage! Donne-moi un fist. C'est quoi ça? Ah, bah le fireball. Pas besoin. Fireball 2. Ok, je commence à m'y faire. Par contre, il n'y a plus la smart bomb. Bim. J'ai pas l'impression que ça fasse plus de dégâts les bombes. C'est juste plus chiant à utiliser. Oh là là. Oh non mais... Oh, pas lui encore. Lui c'est le pire. Oh surtout avec cette arme je l'aurais jamais. Quoique. Oh si. J'ai rien dit. Ah, je le touche pas. Descends un peu plus bas, s'il te plaît. Voilà, comme ça. Là, c'est parfait. Tu restes comme ça. Merci. Le ptérodactyle d'argent. Et revoici les niveaux que vous adorez tous. Toutes et tous. Carlo Toutous. Stage numéro 4. Ce jeu est moche. Voilà, on fait comme tout à l'heure. C'est parfait. C'est le même que le 3? Bah oui, c'est... J'ai l'impression que c'est les mêmes niveaux. Ah, voilà. Là, ça a changé. Là, ça va s'effondrer. Mais c'est encore plus simple. Voilà, je me planque là. J'étais en train de battre un boss. Bon, fais le malin, faut revenir. Il faut revenir. Tui. Bon. Ben voilà. Stage 4 complete. Et on se casse d'ici et on continue, ce jeu est génial. 7452. Bon, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux ennemis?
Ne pas oublier qu'on a le... la Smart Bomb. Je crois que j'aurais pas besoin de mot de passe. Ça c'est le beam. Non, c'est le balls. Fucking balls. Là voilà, ça mérite une Smart Bomb contre lui. Merde, j'aurais peut-être dû le garder. Oh non. Et attends, mon énergie là. Oh 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 oh, on se barre, on se casse. Serait-ce parce que j'ai utilisé la Smart Bomb que j'ai plus de barrière? Parce que là, je vais mourir. Hein. Regardez ce décor magnifique. Oh, joli. Putain. Je vais mourir. Ok. Bon, là, ça se complique. Hein. Dino Wars. Ah, les coups de poing. Les petits coups de poing. Ah, ça va aller, c'est facile. J'aimerais bien savoir si c'est tiré d'un animé ou quoi. Histoire que je le regarde pas. Logiquement, Bandai... Enfin, je sais pas. Ah, je me casse, que j'ai pas le temps. Pas le temps. Toi, tu vas te suicider. Toi, tu me laisses passer. Une vie, pas de continue. Enfin si, continue illimité. Putain. Tu passes pas là. Là ça commence à être l'enfer. Je suis déjà à la moitié de ma barre de vie. Encore le boss après. Non mais ce petit dino là, que je peux pas atteindre à cause des bombes pourries. Voilà. Je t'ignore complètement. C'est tiré de rien. Ah non, mais si c'est à chaque fois ça... Oh là là, ah là là, ah là là. Le ptérodactyle vert. Alors attention, est-ce que ça change? Nouveau niveau. Bon, ça change un peu. Ah d'accord, c'était barrière le B là. La voir de là en sautant un peu. Ok, ça le retour, ça va pas me plaire. Rien à foutre, allez, on tire, on tire, on tire. Je vais pas aller sur la petite plateforme. Faut pas rêver. Par contre, c'est un petit peu lent, là. Pff,
Mais vous avez vu les sauts? Ok. Ah bah voilà. Stage 5 terminé. J'en suis déjà à 50 minutes. Je vais jusqu'au bout du jeu. Le monde de glace. Est-ce que ça glisse? Ça glisse pas. Ça, ça me donne barrière à fond. Ok. Faut en profiter. Dans le système solaire... Dans le système solaire artificiel de Spondylus, les ordinateurs centraux contrôlant la vie sur chaque planète ont été sabotés et les planètes envahies par des robosaures, des robots dinosaures. C'est l'histoire de ce jeu. Merci Recover. Originalité sur 20. Mais... Mais pourquoi des dinosaures? Ok, ça s'effondre pas. Oh non! Oh non! Je me casse d'ici! Ceci est mon histoire. Est-ce que ça les touche, là? Je crois pas. Je lance des petits cailloux. Putain, la barrière! Ouais, ils ont été trop généreux au niveau, niveau énergie. Tu ne peux pas m'atteindre de là. Ah si. Pff, rien à foutre. Tu te casses. Tu te casses aussi. Allez, on s'en va de là. Ouais, le jeu sera injouable. Tu peux pas éviter les tirs ennemis, c'est impossible. Putain de dinosaure, la con. Un pterodactyle? Ah non. Un diplodocus. Tu dois même pas taper dans la tête, hein. Tu tires dans le cou, c'est bon. Mais dans le doute. C'est encore plus simple. Tiens ce gros sac, tu vas mourir. Est-ce que je le touche là? Impossible de le savoir de toute façon. Mais je le touche pas là. Ah oh bah ok. Si si. Le bronchiosaure, pardon. Pas le diplodocus. Et c'est reparti. C'est le même que le premier niveau. C'est exactement la même chose. Mêmes ennemis. Même tableau. Oh! Ils font des petits cris. Tu vas dégager, oui. Bon, allez, j'y vais. J'y vais. Presque. Je vais passer par au-dessus, évidemment. Putain, quel bordel, quoi.
de l'autre côté. C'est toujours pas le boss. C'est toujours pas le boss. C'est de plus en plus long. Attention, là il y a deux trous. Ah, c'est pas terminé! Je vais être à court d'énergie là. Mais quoi? Oh non, 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 non. Le retour, ça va être pénible. Serait-ce le dernier stage? C'était le dernier tableau. Je suis sûr que c'était le dernier tableau. Je suis obligé d'y aller. Ok, parfait. Là, je crois que je vais rester là et tirer. Putain, mais tu te fais toucher quand même, quoi. Ok. T'as envie de prolonger cette expérience de jeu, je peux comprendre. Ah, faut pas le terminer trop vite. Je m'amuse tellement. Bah, ça reste un bon petit jeu quand même. Et voilà. Je me demande s'il y a un world record sur ce jeu. 15 minutes. Moi, je parie sur 15 minutes. Là, ça fait 58 minutes. Là, je suis obligé d'y aller. On prend son temps. Pourquoi ça marche plus? C'est pas encore là? Ah non, c'est ici que j'avais perdu. Putain, je tire complètement au pif. Comment tu veux viser avec cette arme? Oh! J'ai failli avoir les dents en même temps. Ok. Voilà, celle-là. Là, le problème. Mais tu fais comment là? Comment tu fais ce niveau?
Est-ce que je peux repartir? Non. C'est obligatoire. 18 minutes. Voilà, 18 minutes 23, le world record sur ce jeu. Et une heure pour ma part. C'est quoi ces plateformes? On dirait des parchemins, quoi. Je saute sur des parchemins. Oh! Impeccable. Voilà, on trouve des petits trucs. Ça aussi. Oh, l'énergie tank. Est-ce que je tente l'énergie tank? Oui, logiquement, non. Si je vais sur les pics, ça ne one-shot pas. Est-ce que je la prends? Non. Non, non, non. Pour remonter, ça va être trop la galère, donc non. Tant pis. Tu as que quoi? Bon, là, c'est la merde. Hein. Cette plateforme, je comprends pas. Celle-là, oui. Je veux bien. Mais là... Ok, j'ai compris. Enfin! C'est toujours le même principe. Là, c'est la même connerie, là. Voilà, ok. Ok, très bien. On ne me déconcentre pas. C'est le retour. Si je rate, c'est la pause. Ouais, pas de raison de rater. Tu vas pas rater. Tu rates pas ça. Et là, c'est le dernier ou pas? C'est pas le dernier. Il y a encore ça. Il y a encore ça. C'est facile. C'est facile. Ça ne s'effondre pas. Salut il Tumiku. C'est pas un Sonic, non. C'est fini le jeu? Non, 6425. Et ça continue. Stage numéro 7. Petit coup de poing. Attention. Non mais je veux une arme, donne-moi une arme toi. C'est quoi, c'est des fireballs? Par contre c'est toujours les mêmes niveaux. C'est juste les ennemis qui changent de place.
Je sais pas. J'aimerais bien avoir le super beam. Wow. J'aimerais bien avoir barrière aussi. Le beam 2. Non mais c'est de la lâche. Non, prends pas ça. Je suis dans quoi là exactement? Je suis dans un vaisseau? Il n'y a que deux musiques dans le jeu. Comment tu veux éviter ça? Merde. Oh non, pas les bombes! Le truc qu'il fallait pas prendre. Tu vas plus vite que moi, toi. Il va me tuer. Oh, attention! Ah ouais, ok. Ah bah voilà. Ah là, par contre. Donne-moi une arme, s'il te plaît. Toi. Je crois que je vais rester au coup de poing. Voilà, c'est comme ça que les dinos ont disparu. Un coup de bombe, de bombe atomique. Bon, là par contre, le poing... c'est encore plus simple. Ah voilà, c'est gagné. Sortez les GG. Par contre, s'il faut taper dans la tête, là, j'avoue, ça va être un peu difficile. Faut rester baissé. Tu meurs jamais! Ah, mais merci! Oh, t'as nu la gueule. Ok. Et j'ai un achievement parce que je l'ai fait au point uniquement. Mais attendez. Je vais quand même regarder. En espérant ne pas me tromper de bouton. Ok. Faire le premier stage sans utiliser de continu. Le deuxième stage sans utiliser de. D'armes. D'accord, faut tout faire au point uniquement. C'est le dernier stage. C'est le dernier stage du jeu. Bon bah d'accord, il me manque plein de trucs. Hein. Eh bien je le referai. Je referai ce jeu avec grand plaisir. Donc, c'est le dernier stage. Non mais il est très bien ce jeu. J'ai eu un peu peur au début, mais non. Là, c'est très bon. Faut refaire tout le jeu au point uniquement. Hop. Là, je sens que ça va être hyper long. Ça doit être first try ou rien. Là, c'est parfait. Préparez-vous pour la belle cinématique finale. Oh là, c'est quoi ce bordel?
Très intéressant ce pattern. Allô? Oh, depuis quand? Mais depuis quand je peux sauter comme ça? D'accord, je pouvais sauter comme ça dès le début. C'est bien, on découvre des choses. Je rêve ou j'ai vu? J'ai cru voir une girafe, mais à mon avis, non. C'était pas une girafe. C'était juste un soldat. Dans les pics. Oh, c'est plus de ça. Thunder Unleash. Mais regardez tous les... tout ce qu'il tire, lui. Les shurikens. Et là, même chose. Même chose que tout à l'heure. C'est le dernier stage. Merde. Bière. C'est parti. Oh. Qu'on m'apporte une bière. D'accord, c'était pas une girafe, c'était un soldat. Un robot. Je suis déjà à la moitié de ma barre de vie. J'arrive toujours pas à deviner ce que sont les créatures qui volent. Moi non plus. Des portes savon. Ah oui, quand je mets la peau, ça disparaît, donc non, on peut pas voir. Hey! Dans ce monde ou quand tu joues le mecha? Non, non, ce monde-là. Ces trucs-là, là, ce machin, on sait pas ce que c'est. Ça ressemble à rien. Attention la mine en dessous. Attention la remine en dessous. J'en touche même pas un seul, quoi. Attention. Ah ok, c'est des pics, c'est des pics qui piquent, y'a pas de soucis.
Des crevettes de l'espace. C'est là le problème. Y a pas de problème. Oh bah, tiens. Putain, y a barrière là. Je chope la barrière ou pas? Bah oui. Bah oui, je chope la barrière. Crève! Le retour! Le retour! Ah, le retour! Ah non, mais attends, je comprends pas. Si je saute. Non. Ouais, ok. Ensuite, il y a ça, il y a des pics en dessous, donc il n'y a pas de. Y a pas de soucis! Y a pas de soucis non plus. Bon, ça craint là. C'est le stress là. Allez. Allez, on termine ce jeu. On termine, c'est la fin. C'est la fin du jeu. On rentre dans le vaisseau. Et c'est terminé. Et encore ça, là. Si je saute quand je suis en bas... Ok. Faut sauter quand je suis en bas. Et là, faut sauter quand je suis en haut. Ou pas. Oui. Oui. C'est gagné. Stage 7 complet. Ah bah voilà. Est-ce que c'est la fin du jeu? Pas sûr. Waouh, la super fin. Voilà, merci Bert Schroeder et Takeshi Yasukawa. Ah bah voilà. Tout ça, pour ça, ça valait le coup. Hein. Excellent jeu, Dino Wars Destruction of Spondylus. Félicitations, vous avez fini un autre jeu de Bandai. Voilà, j'ai sauvé l'univers des robots dinosaures. Je regarde le soleil se lever au loin avec mon mecha. Alors combien? 22 sur 38. Et quoi? Il fallait faire? Compléter les 7 stages sans utiliser de continu? Oui, et ben on va faire ça la prochaine fois. Voilà, merci d'avoir regardé ça, c'était Dino Wars, excellent jeu. Ciao!